Les avocats d'Adrien étant d'obtenir un changement d'équipe en 2025. Dès 2025, Andrew Benson de la BBC rapporte, le principal designer d'Adrien négocie une sortie de Red Bull qui le laissera libre de rejoindre une équipe dès l'année prochaine. Le départ anticipé de l'homme, considéré comme le plus grand designer de la F1 de tous les temps, doit être annoncé quelques jours après la négociation de son contrat. Un porte-parole de Red Bull a déclaré: nous n'avons aucun commentaire à faire pour l'instant. La prochaine équipe de Newey n'est pas encore décidée, mais Ferrari est le grand favori. Le contrat de l'homme de 65 ans en tant que directeur technique de Red Bull court jusqu'à la fin 2025 et comprendra une clause de non-concurrence de 12 mois, qui aurait théoriquement dû l'empêcher de commencer à travailler pour une autre équipe jusqu'en 2027. Mais ses avocats obtiennent un départ anticipé et il sera libre de commencer à travailler à partir de l'année prochaine. Ça m'étonnerait quand même. Je vois pas, par exemple, Newey en combi rouge dès l'année prochaine, quoi, sur la grille, en fait. Je serais très surpris de ça. Alors qu'il commence à travailler sur la voiture 2026 en coulisses, peut-être, à la limite. Mais le voir sur une grille de départ hein, avec un autre vêtement que Red Bull, dès l'année prochaine, hein, franchement, j'y crois pas. Hein. Bon, écoutez, on verra bien. Hein. On verra bien où est-ce qu'il signe. Ça se trouve, il va aller à la retraite et tout le monde a tort, en fait. C'est que des rumeurs, tout ça encore. Hein. Ça se trouve, il va re-signer nulle part. Hein. Ça serait trop, quand même. Allez, ciao.